Hey salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le Flip and Write Coopératif. Oui j'ai bien dit coopératif, Zombicide Gear Up, un jeu concis par Jordi Adan et Marco Portugal et illustré par Dani Orezio, un petit jeu de la gamme Zombicide, mais cette fois-ci un Flip and Write. On se retrouve tout de suite pour une partie solo, même si c'est un jeu coopératif, on va jouer en solo. Et puis à la fin de la vidéo, on se retrouve pour mon avis, comme d'habitude, si c'est simplement mon avis qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans le timer de la vidéo pour aller au moment opportun. Bonne vidéo. Et voilà, on est devant la partie de zombicide gear up. On a quasiment fait la mise en place. Il nous reste une chose très très importante à faire, c'est de choisir un de ces personnages. Alors tout simplement, on va mélanger, on va prendre au hasard. Moi, je ne regarde pas l'écran du téléphone. Hop, je ne les ai pas encore tous essayés d'ailleurs. Hein, donc on va... On va voir, on va prendre bah Bradley, celui qui était affiché euh, tout au début. Les personnages sont de deux côtés, la face un joueur et la face 2 joueurs. En fait, ce qui change, c'est qu'il y a certains pouvoirs qui vont nous permettre de tuer des zombies sur les plateaux euh, des autres joueurs. Bah, là, quand on est tout seul, il n'y a pas d'autres joueurs, donc forcément ces bonus-là disparaissent. Hop, notre personnage ici est Bradley. On voit ici sa barre de vie, sa barre d'armure et sa barre de munitions qui, pour l'instant, est vide. On a quatre armes différentes qui vont euh, nous octroyer une manière différente de tirer sur les zombies et puis des pouvoirs que je vous expliquerai au cours de la partie pour l'instant ils ne sont pas euh, validés sauf pour notre arme de prédilection qui est la des broussailleuses on va choisir notre niveau de difficulté entre facile normal difficile cauchemar pour l'instant je n'ai fait que des parties en facile pour cette vidéo on va choisir on va décider d'être en normal et donc on a juste à lire ce qui est écrit sur la carte pour la mise en place on va avoir au départ un zombie euh, normal noir et un zombie spécial un peu plus coriace rouge on va les mettre sur la rue qui est la plus éloignée de notre personnage. Nous, on se retrouve ici sur la première rue. C'est le corps à corps et les zombies vont commencer le plus loin possible. On a donc un Kleps. Et j'en profite pour vous montrer tout de suite l'anatomie d'un zombie, on a un dessin particulier, on a dessus les points d'attaque qui vont nous faire systématiquement quand ils seront corps à corps, et des points d'attaque supplémentaires, mais peut-être qu'on va pouvoir barrer ces points d'attaque au cours de la partie pour qu'ils soient moins puissants, à son maximum d'attaque il fera 1, 2, 3, 4 points d'attaque, pour 4 dégâts, donc, et au minimum 1. Et il y a aussi ici un petit bonus si on lui pète la jambe, on peut récupérer une munition. Ça, c'est le Klebs. On voit ici l'icône qui est l'icône qui nous dira quand est-ce que le Klebs va avancer dans les rues pour avancer petit à petit jusqu'à nous. Parce que tant qu'il est à distance, il ne nous attaque pas. Et puis, on a le kamikaze qui est le monstre, le zombie spécial. Il fera minimum 2 points d'attaque il pourra monter jusqu'à 5. Si on lui met euh, une balle en plein milieu, on récupère une munition. Et dans euh, l'utérus, on récupère une armure. Toutes les cartes spéciales ont un pouvoir spécial. Le kamikaze, on s'en doute, quand il arrive au corps à corps, il nous fait des dégâts, il explose. Et il nous fera du coup l'intégralité des dégâts non cochés. Hop, on le met ici, c'est pour la mise en place. Ça, c'est le dessin de la carte de référence d'invasion. C'est-à-dire qu'on va avoir une invasion, on va avoir des zombies en plus à chaque tour. Côté euh, plutôt facile, côté difficile. En normal, ça sera celle-ci, donc on la laisse là. On verra en cours de partie, mais ça nous dira quels zombies vont pop. Et le point rouge, c'est le boss. En rouge, c'est le côté difficile. Cette carte-là, on peut la retourner. Hop, ça nous mettra euh, la suite logique des événements qu'on va voir en cours de partie. Et donc, on va tout de suite piocher le boss. Hop, pareil, je les ai pas encore tous affrontés. Euh, ceux que j'ai affrontés, j'ai pas tous gagnés non plus. On va le piocher aléatoirement. Et dans tous les cas, j'en ai encore jamais affronté euh, du côté difficile. Hop, ça sera celui-là. Ah bah la super, abomin la super abomination c'est le premier adversaire que j'ai rencontré et je n'avais pas gagné. Hop, lui il apparaîtra que en deuxième phase. Pour l'instant je l'ai sur le côté pour que vous vous rappeliez qu'on va l'affronter, mais on le verra vraiment sur le deuxième round parce qu'il y aura deux rounds différents dans cette partie. Comme on joue au solo, eh bien on va avoir quand même une aide, on va avoir trois acolytes qui sont schématisés par ces cartes-là. On va en piocher trois. Forcément, si on pioche Bradley, ça ne marchera pas. On a Roger qui, une fois par round, pourra nous aider. Je vous dirai quand est-ce que c'est possible. Hop. Nous avons Ethan. Et le dernier qui va nous aider pour cette partie, c'est bah, pas Bradley parce que c'est nous-mêmes, c'est Skyler. Voilà, hop, je les mets là. Et on verra ça en cours de partie. Donc j'ai déjà fait la mise en place. On aura deux rounds. Le premier, ça va être des zombies qui vont arriver progressivement. On va retourner la première carte qui est celle-ci. Ça va nous dire qu'on peut qu'on doit utiliser l'arme de la même couleur, en l'occurrence chez nous le fusil à pompe. Pour utiliser une arme c'est tout simple, on va devoir dessiner cette icône, ce dessin qui est là, sur les cases d'un du, euh, zombie, donc tous ceux disponibles, euh, sauf le boss parce qu'il n'est pas encore là, hein. et sauf qu'on n'aura pas le droit de sortir euh, du dessin, on sera obligé de rester précisément dedans, on ne peut pas dépasser. Le but étant d'essayer de tuer un zombie, si jamais à la fin... Euh, du tour, on a tué un zombie, on va pouvoir gagner un point d'expérience qui va nous permettre de choisir un bonus d'une arme. Les bonus, je vous les expliquerai. On voit que celle-ci, le Mosberg 550, a déjà un bonus, c'est celui-ci, c'est le recul. Dès qu'on tire euh, sur un zombie, bah forcément c'est un fusil à pompe, donc on va repousser les ennemis jusqu'à la troisième ligne. Une fois qu'on a fait, tous les zombies qui ont ce dessin-là, c'est-à-dire en l'occurrence là le kamikaze, avancera d'une case vers moi. Si jamais un zombie est déjà au corps à corps et qu'il doit avancer, ben, tout simplement il va nous frapper. Les euh, deux premiers tours, eh bien il ne se passe pas grand chose à partir du troisième, il y aura euh, des nouveaux zombies qui vont arriver et peut-être nous mettre un petit peu euh, dans le mal. Quand est-ce que je vais pouvoir utiliser mes amis ben, Vous voyez que là il y a un petit smiley. Ben, sur certaines cartes, sur trois des cartes, eh bien il y aura un petit smiley, ou peut-être pas, parce que là on a mis neuf cartes. Mais en fait, il y en a 10 en tout, on les a mélangés, on a tiré. Donc peut-être qu'il y a une carte avec un des amis en question que je ne pourrais pas utiliser. Voilà, on va commencer tout de suite avec la partie. Alors du coup, mon Bradley, je ne l'ai jamais utilisé. Qu'est-ce qu'il fait de spécial Il a un fusil à pompe en ligne droite. Il a un petit angle, une grosse ligne droite avec la tronçonneuse et le fusil de précision. Donc on a dit, on peut faire du verre, soit sur le clep, soit sur le kamikaze. Il faut vraiment essayer de tuer les spéciaux avant hein, parce que c'est eux qui vont nous embêter. Alors, en plus, c'est lui qui va avancer euh, à ce tour-là. Donc je peux dessiner ce logo n'importe où, soit tout droit, soit sur le côté, soit en miroir. Bon bah en miroir ça change pas grand-chose. Si je coche euh, une petite étoile, eh ben, il fera moins de dégâts s'il m'attaque. Si je coche une munition, et eh bien la munition, c'est tout bête. Je l'entoure ici et à n'importe quel moment pendant mon tour, je peux la barrer pour aller cacher. Pour aller cocher la case de mon choix sur le zombie de mon choix, puisque forcément si à un moment je ne peux plus placer une forme, eh bien, je vais être un petit peu coincé. Donc c'est là où les munitions sont intéressantes, les balles sont intéressantes, c'est d'aller pouvoir finir mes formes pour tuer les zombies. Si je coche une armure, bah, j'entoure un point d'armure, ça me fera entre guillemets un point de vie supplémentaire. Alors du coup, comment on va se le cocher Je pense qu'on va euh, donc on l'utilise, hein, hop, on va le cocher comme ça, hop, à l'horizontale, comme ça il fera un dégât en moins. Et euh, j'entoure une munition. Généralement quand je joue seul, hein, je fais juste une croix, mais là pour que vous voyez bien avec la caméra, je vais un peu colorier les cases. Parce que comme l'image est un peu loin, et eh bien euh, ça risque de ne pas forcément très bien se voir. Voilà. Normalement j'active cet effet-là, mais il est déjà, je ne peux pas le reculer plus, hein, il est déjà dans la dernière rue. Donc c'est fini. Phase d'avancée des zombies. Hop, celui avec une seule flèche avance d'une case. Hop. On arrive maintenant à la deuxième phase. Donc le but hein, c'est de survivre et de pouvoir tuer le boss. Si euh, on n'arrive pas à tuer le boss avant la fin du deuxième round, et eh ben c'est mort. Pour l'instant, il n'y a pas. Donc là, carte débroussailleuse. Il y a d'ailleurs, je crois, qu'une seule carte avec notre arme spéciale. Donc là, ça fait un petit angle. Et directement, ma débroussailleuse elle a deux bonus. Celui-ci, la préparation. Euh, C'est-à-dire que pour chaque munition et armure que je coche, j'en eh gagne un en plus. Et avec ce petit dessin-là, et eh ben je peux faire ce gabarit-là sur un ennemi de chaque rue. Et également sur le boss, il est présent pour l'instant. Il n'y a pas le boss, donc il, il n'apparaît pas. Donc je vais pouvoir faire ça, ce petit, ce petit angle sur le kamikaze et sur le kleps. Et donc c'est ce qu'on va faire. On va faire ici euh, sur le kamikaze comme ça. Hop, j'ai coché une armure, donc je l'entoure et on se rappelle que ma débroussailleuse a la préparation, donc je peux avoir une armure supplémentaire. Et sur le kleps, eh bien pareil, on va profiter de la débroussailleuse avec son bonus pour aller cocher la munition. Ça me fera deux munitions de plus. Et là on voit que ce sont les deux qui avancent. Et attention le kamikaze, hein, la prochaine fois eh euh, qu'elle doit avancer, eh bien, elle explosera. Donc peut-être que j'irai vite euh, la terminer. Je suis pas sûr que ça soit possible. Mais en tout cas, au moins cocher ce point-là pour avoir un peu moins de dégâts. On verra bien. Ok. On arrive à la troisième phase. Là, on va pouvoir utiliser un de, un de nos amis, l'arme verte. Et euh, c'est le Klebs qui avancera. Le kamikaze n'avancera pas. Euh, alors, mes amis, ils ont tous un pouvoir spécial. On peut les utiliser qu'une fois par round, au deuxième round il reviendra, j'ai Roger qui fait juste de petits traits et l'avantage de Roger c'est que je peux, c'est un explosif donc je peux faire le petit dessin là sur tous ceux d'une même ligne, là il n'y en a qu'un seul donc c'est pas très intéressant Ethan il fait une sorte de vaisseau spatial des shoots them up mais je peux diviser, je peux séparer ce gabarit en deux donc je peux le séparer un peu comme je veux pour avoir un peu rentrer dans les... dans les coins qui m'arrangent et le coup critique de Skyler eh bien, je peux l'utiliser une deuxième fois si j'arrive à cocher eh bien, euh, la petite étoile et c'est peut-être ce qui est le plus intéressant parce que ça fait un L et le L c'est parfait. Hop, ça fait ce dessin là ici. Donc je coche une étoile, je peux le faire une deuxième fois. Euh, donc sur le Kleps et euh, du coup, je vais quand même le faire même si je pourrais pas vraiment finir mon coup après, mais c'est pas grave. Hop. Donc le L il est fait ici aussi. Donc Skyler, hop, je la retourne. Je pourrais plus la faire tout de suite. Maintenant, n'oublie pas qu'il faut que je fasse mon arme euh, Mossberg. Je ne peux pas la faire sur le Klebs. Je ne peux pas la faire sur le Kamikaze. Donc tant pis. Mais euh, avant que le Kleps avance, je vais en profiter, hop, pour utiliser euh, mes munitions. Je vais utiliser deux munitions pour finir le Kleps. Hop, il est mort. Et puis tant qu'on y est, je vais utiliser ma dernière munition pour utiliser pour tuer le Kamikaze. Voilà, comme ça je vide un petit peu ma rangée. J'ai euh, tué deux zombies. Du coup, bah, je peux gagner deux améliorations. Ça ne sert à rien que j'améliore tout de suite mon Mosberg parce que j'ai déjà utilisé mes deux cartes vertes. Donc je vais améliorer soit mon fusil de précision qui me permettrait de faire une fois de plus euh, ce dessin-là. Je suis obligé de commencer par l'amélioration 1 avant de faire la 2. Hein. Et euh, bah, la tronçonneuse. Voilà, je vais améliorer les deux-là. Hop. Comme ça, le suivi de précision, au lieu de le faire deux fois, je fais le trois fois. Et la tronçonneuse, au lieu de faire quatre lignes et quatre trucs en ligne droite, je pourrais diviser en deux gabarits similaires. Ça sera pas mal. Et donc, la première phase d'invasion, c'est le C. Le C, c'est écrit là. Eh bien, c'est un zombie spécial qui arrive. Le balèze, eh bien, il n'a pas vraiment de pouvoir spécial. C'est juste qu'il est balèze. Il a un gros truc de vie. Ok. Allez. Là. On pourra aussi utiliser notre ami, un de nos amis, d'ailleurs on va forcément le faire. Hein. Et puis euh, on pourra utiliser la tronçonneuse. Écoutez, on va utiliser Ethan, parce que Ethan, il a cette forme-là. On va même pas essayer de la euh, diviser en deux, même s'il peut. Hop, on va le faire tout seul, comme un grand. Hop. Et au passage, j'ai coché une armure, donc je l'entoure, je l'entoure. Euh, hop, donc Ethan, il a fait son action. Et je peux utiliser la tronçonneuse. La tronçonneuse, je vais en profiter pour la diviser. Comme c'est l'amélioration que j'ai cochée, normalement je suis censé faire quatre de suite, mais regardez, hop, je vais en faire trois de suite. J'ai une munition. Il me reste un petit point. Hop, ici. Voilà, comme ça mon balèze est quasiment tué. Euh, je vais d'ailleurs pas pouvoir le tuer avec euh, mes armes actuelles parce que finalement. Ben, c'est un peu séparé, mais c'est pas grave. Je finirai petit à petit avec des munitions. On verra bien. On n'est pas pressé. Ok, et ce sont les zombies avec deux flèches qui augmentent, qui, euh, qui se déplacent. Donc, personne en A, c'est un zombie normal, le Kleps qu'on a déjà vu. <coughs> Fusil de précision, donc on peut faire trois fois ce petit symbole là. Et pas forcément sur le même zombie. On peut faire des zombies différents. En l'occurrence, le balaise, je vais pas pouvoir le faire dessus hein, parce que j'ai pas la place. Donc je vais le faire sur le Kleps. Et on se rappelle que je peux faire en miroir. Hein. Euh, je suis pas obligé de garder cette forme-là. Donc déjà, hop. Une fois, je le fais ici. Je récupère la munition. Une deuxième fois. Ah, je n'en peut-être pas comme ça que je vais faire. Hein. Euh, si je veux réussir à placer les trois dessus. Une, deux. Ah je pourrais pas placer les trois hein, dans tous les cas. Euh, une deux. Non. Une deux. Une deux. Non dans tous les cas je pourrais pas placer les trois dessus, donc c'est pas grave, hein, j'en place que deux. Euh, et du coup, comment je vais les mettre J'annule vais... le coup là. Hop, donc j'annule une munition. J'aurais pu prendre un petit papier. Hop, on va le mettre comme ça pour le premier. Non, bah non, c'est pas... <laughs> Attendez. Euh, je voulais garder quoi Alors, voilà. On efface tout, c'est plus simple. Je voulais garder pour, pour, potentiellement une forme de L quelque part. Ou alors le 4 là. Ah oui, non, je vais faire comme ça. Hop. Un, un des coups comme ça. Hop. Et un des coups comme ça. Comme ça ici. J'ai ma tronçonneuse ou la place pour le Mosberg. Et là, j'ai une simple. Et voilà, ça le fait. Euh, ce sont les deux qui avancent, enfin les deux, ceux avec deux, deux flèches qui avancent, donc le cleps, hop, arrivé de nouveaux zombies, un zombie normal, encore un cleps, bah dis donc, heureusement que j'ai mélangé les cartes, il hein. n'y bon, a pas énormément de zombies différents, mais il y en a quand même un peu plus que ça. Hein. Ok, alors hop, maintenant on va pouvoir utiliser bah, la tronçonneuse, et ce sont les uns qui vont avancer. La tronçonneuse je peux la diviser mais si je la divise c'est forcément sur le même, sur le même personnage. Hein. Donc on va l'utiliser sur le cleps, hein, c'est bien sur les 4. 1, 2, 3, 4. Et puis je vais utiliser une munition pour tuer le cleps là. Donc j'ai coché une munition, j'en récupère une nouvelle. Hop, donc le kleps là, il part, il retourne à sa, euh, à sa litière. Et du coup, je peux améliorer une arme. Je vais en profiter. Euh... Bah, je pense pour améliorer mon fusil de précision. Comme ça, je pourrais repousser un petit peu les ennemis. Ou la tronçonneuse. Un tronçonneuse, je pourrais l'utiliser encore une fois là, si jamais elle ressort. Ah bah non, le, le Mossberg n'est pas du tout amélioré quand même. Et euh, il doit quand même peut-être qu y en avoir un dedans. Allez, j'améliore une fois le Mosberg, histoire qu'au moins à la phase d'après, tout soit un peu mieux. Ok, donc ce sont les 1 qui avancent, c'est le Balaise qui avance. Le Balaise, j'ai pas de quoi le tuer, c'est pas bien grave. Et c'est un nouveau zombie spécial qui arrive. Donc le Kamikaze, on l'a déjà vu. Okay. Ah là, je pourrais utiliser Roger, qui permet de faire ce symbole-là. Euh, sur chaque zombie d'une unique rue. Donc potentiellement ici, parce qu'il y en a deux, ça serait plus intéressant. Mais en même temps, peut-être ça peut me permettre de finir le balèze, parce que j'ai ce petit symbole-là. Peut-être le balèze. Euh, moi, je peux utiliser mon fusil de précision, donc trois fois, et ça sera les deux-là qui vont augmenter, qui vont, euh, qui vont avancer. Bon, on va commencer avec le fusil de précision. Je ne vais, vais pas attaquer le balaise, je pense. Bon, je veux déjà mon fusil, euh, donc je peux le faire trois fois. On va commencer par celui-là. Hop, donc. Une fois là, comme ça. Deux fois là, et je peux cocher une munition. Et on va tout mettre sur le kamikaze. Hop là. Et donc maintenant, je vais utiliser Roger. Alors est-ce que Roger, j'en profite pour le faire sur les deux là Ou est-ce que j'essaie de finir le balaise parce que le balèze, il va, me, il va me demander pas mal de munitions quand même. Hein. Ouais, non, je vais faire juste sur, sur le balèze là. Hop. Tant pis. Et je vais utiliser une munition pour le finir, le balèze. Hop. Donc lui, il est mort. Je peux d'ailleurs améliorer une arme. Je vais utiliser le Mossberg. Je vais améliorer le Mossberg. Ou je vais améliorer. Non, je vais améliorer la tronçonneuse. Comme ça, cette icône là, ce symbole là, eh ben, je pourrais le diviser. Ça sera plus facile. Au pire, le kamikaze, je le finis pas, c'est pas grave. J'ai tué tous ces points de vue supplémentaires, tous ces points de dégâts pardon, donc il me fera deux dégâts max. Je pourrais encaisser avec mon armure et le kleps comme ça, j'ai le temps de venir, de, de le voir venir. Et d'ailleurs, c'est le kamikaze qui avance d'une case et on a un nouveau zombie qui apparaît. C'est un rampant, un nouveau zombie qu'on n'avait pas encore vu. Hop. Donc là, aucun zombie ne va avancer à ce tour-là et moi je peux utiliser mon Mossberg. On va essayer de rentabiliser parce que, avec la préparation, je peux gagner une armure et une balle supplémentaire. Alors, est-ce qu'on attaque le rampant ou est-ce qu'on attaque le kleps On va attaquer le kleps. Hop, on va se le mettre là, ici, sur les trois. Comme ça, je gagnerai deux munitions au lieu d'une. Nouveau zombie qui arrive. Hop je décale le boss, on le reverra bientôt. Un nouveau rampant et la dernière carte du premier round, c'est le fusil de précision. Et encore une fois, personne va avancer. Alors, ça serait bien qu'on fasse un petit peu de, de ménage quand même. Hein. Fusil de précision que je peux faire trois fois. Bah écoutez déjà comme ça. Je prends déjà une munition. Un. On va se le faire ici. Deux. Comme ça, le remport ne fera plus beaucoup de dégâts. Puis on va reprendre une mission là. Ah non, attendez. Je vais faire aussi un peu sur Kleps. Le, le troisième là. Comme ça, j'ai la place pour faire ma débroussailleuse quelque part et de le finir rapidement avec une munition. Hop. Donc, personne n'avance. Et arrivé de nouveaux zombies. Ici. Donc, il n'y a pas de, de maximum, hein. On peut en avoir plein, plein, plein. Hop, le rôdeur. Je ne sais même pas si ça se voit encore sur euh, le plan. Si on le voit un peu, ça sera suffisant. Donc voilà, fin de la première manche. Mes petits amis reviennent. Tous les zombies qui sont là restent sur place. On va du coup, hop, reprendre toutes les cartes de, de combat, entre guillemets. Hein. On n'oublie pas de rajouter celle qui, euh, qui était parti pour cette manche. Et donc là maintenant sur la sur le prochain round, on aura toujours des zombies qui vont arriver. Un petit peu moins quand même. Ceux-là vont continuer d'exister. Mais surtout on a le boss, la super abomination qui arrive. Euh, donc celle-là, on la supprime, il n'y en aura que 9. Hop. 3, 4, 5, 6, 7. 8 et 9. Voilà, normalement, ça reste dans le champ. Et donc, ces cartes-là d'invasion sont supprimées. Puisque pour le round numéro 2, on a des cartes de boss. Des boss euh, phase 1 et phase 2. Parce que forcément, le boss sera de plus en plus compliqué. Hop On les met comme ça, juste en dessous. Là, on a quand même beaucoup d'adversaires. Beaucoup hein. Ça va être compliqué. On a toujours deux phases de préparation. Le boss, on va le mettre ici. Et donc on va le regarder d'un peu plus proche, le boss. Le boss, à partir du moment où on l'a tué, eh bien, euh, le combat est terminé. Hein. Même s'il restait des zombies, il faut juste se tuer. Et donc pour tuer le boss, il faut tuer tout ça. Et il va falloir y aller. Sachant que le boss il a aussi un pouvoir spécial. C'est-à-dire que quand je vois ce dessin-là apparaître sur une des cartes boss, eh bien, il va me faire perdre non pas deux dégâts. Mes deux points d'armure, si jamais j'ai pas d'armure, ben il me fera rien du tout. Vous voyez qu'il y a des étoiles euh, jaunes. Sur les premières cartes, il me fera des, des attaques que avec les cartes jaunes, les étoiles jaunes. Et à partir de là, il comptera aussi les étoiles bleues. Donc il me fera plus de dégâts en fin de combat qu'en début. Voilà, la superbe je la mets là. Le but c'est d'essayer de la tuer le plus rapidement possible. Euh, fouet, on voit un petit peu, ça fera l'affaire. Allez on commence, je pense que c'est mal barré, mais on commence. Personne ne va avancer, j'ai mon fusil de précision, je peux utiliser trois fois. On se rappelle, le but étant euh, de tuer, je vais l'avancer on va dire, on se rappelle bien que les deux rampants là ils font partie euh, du kleps. Hein. C'est juste pour que vous voyez mieux le super abonnation. Ouais, je vais pas tuer ceux-là, je vais laisser un petit peu faire pour l'instant. Euh, donc, le but c'est de le tuer le plus vite possible. J'ai trois fois, mais surtout de l'empêcher de me faire des dégâts. Donc, je vais déjà faire un là ici. Il me reste deux attaques. Là, je vais faire une fois là. Je reprends une armure. Il me reste une attaque. Euh, alors ici, je peux garder la forme. Je vais en faire une comme ça. Hop. Voilà, très bien. Donc là, pour l'instant, s'il m'attaque, il me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dégâts. Donc il me tue quasiment instantanément. Mais bon, il n'attaque pas tout de suite. Et en plus, là, aucun zombie n'avance. C'est bien. Là, ce sont les 1 qui vont avancer, donc un peu tous. Et je peux utiliser ma tronçonneuse. La tronçonneuse que je peux utiliser sur tous les ennemis d'une même rue. Donc je pourrais faire sur tous ceux-là. Et c'est ce que je vais faire, plus le boss, le boss. En plus de pouvoir la diviser en deux. Donc la tronçonneuse, elle est vraiment excellente, et donc on va le faire, hein. la tronçonneuse, donc c'est 4, que je peux mettre en allongé, là on peut faire que 3, mais comme je peux la diviser en 2, hop, je tue là, et le kleps s'il est mort, et je vais pouvoir d'ailleurs après améliorer une de mes armes, hop, on se rapproche comme ça, qui est-ce qui va y passer Le rampant, le rampant, donc on a dit, euh, hop, on va mettre 3 ici, vous avez fait un point de dégâts en moins, et hop, je récupère une munition. Le rampant, je vais faire comme ça: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je vais même utiliser une munition, je pense. Non, pas tout de suite. Je vais le laisser un peu avancer. Je vais pas le tuer tout de suite. L'eau rôdeur, et eh bien je vais faire comme ça: 3 ici. Je récupère la munition avant d'oublier. Et euh, une petite ici sur la tête. J'ai plus envie de voir sa tête, voilà. Et surtout, on n'oublie pas de le faire sur la super abomination, Donc là, c'est quatre de suite. Je vais déjà en mettre trois là. Comme ça, ça lui fait deux dégâts en moins. Et je vais utiliser mon tout seul pour le mettre tout simplement ici là sur le dégât là. Voilà, et donc j'ai tué mon kleps, hein. donc je gagne un point d'amélioration que je vais mettre sur euh, le fusil à pompe. Comme ça, pareil, je pourrais faire mon, mon truc en, en plusieurs morceaux, en deux morceaux. Ce qui me permettra beaucoup plus de facilité sur le combat de boss. <laughs> et donc tous les zombies à 1 avancent, hop. Donc là, ça rend les choses un peu compliquées. Donc ce qu'on va faire, hop, en attendant, on va mettre nos petits potes ici. Et comme ça, on met le boss qu'on doit attaquer juste à côté de nous. Ça ne gâche en rien la lisibilité. Hop. Ok, donc là, personne ne va avancer et on peut attaquer avec le Mossberg une seule chez une seule personne. Bien sûr, ça va être la super abomination hein. et on a la préparation donc pouvoir récupérer des bonus. Euh, alors, est-ce qu'on n'en profite pas justement pour faire le plein euh, Alors, on va faire comme ça. Ouais, on va se les mettre comme ça les trois. Ouais. Hop, on va mettre les trois comme ça. Cette carte là, je la retire, j'en ai pas besoin. Je sais comment ça marche. Hop, on va mettre les trois comme ça. On peut se dire que c'est un peu en plein milieu, que c'est pas terrible, c'est pas une très bonne idée, mais ça me permet surtout d'avoir deux armures au lieu d'une et quand même de lui faire un dégât en moins. Enfin, de lui permettre de me faire un dégât en moins. Par contre, première attaque du boss. Il va me faire des attaques avec toutes ses étoiles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ben, écoutez, je vais me les prendre avec mes, mes, mes armures. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hein. Il fait mal. Hein. Il fait très, très mal. J'aimerais bien pouvoir utiliser mes amis. là. Hein. Ça serait très intéressant. La débroussailleuse, je peux l'utiliser sur tous ceux d'une même rue. Ce que je vais faire. Ils vont tous avancer, par contre. Hein. Et, euh, et en plus j'ai la préparation. Alors, du coup, le rôdeur. On le met comme ça. Hop. Au niveau du rampant, je ne peux pas le faire. Au niveau du rampant là, je ne peux pas non plus le faire. C'est pas énorme, énorme. Euh, et au niveau de la super abomination, je vais le mettre ici. Comme ça, il fait deux dégâts de moi. Par contre, ils avancent tous. Le rodeur, atta... alors le kamikaze déjà, tac. Eh bien, il explose. Donc il est mort. Il me fait deux dégâts. Et donc ils avancent tous ici. Hop là. Et on va retourner. Donc là, il utilise son attaque spéciale. Son attaque spéciale, c'est de me faire perdre deux points d'armure, mais je n'ai plus d'armure. Et il fait pop un zombie. Un rampant ici. Ok. Donc même si je suis pas mort. A la fin ici, hein, si je ne l'ai pas tué, je suis mort quand même. Hein. Euh, tronçonneuse, tronçonneuse, euh, Mince, j'ai effacé, hein, mais j'avais fait l'amélioration ici. Hein. Tac, hop. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je ne sais pas si euh, si j'ai pas oublié de me faire... Non, c'est bon. Et bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais quand la kamikaze explose, c'est pas moi qui ai tué, hein, donc je ne gagne pas de points d'expérience. Ok, donc la tronçonneuse, je peux la faire sur tous ceux d'une ligne, plus le boss, grâce à l'hécatombe. Et en plus, je peux diviser, donc c'est parfait, je veux faire plaisir. Donc là, je prends les quatre. 1, 2, 3, 4. Je sais que euh, le rampant ne va pas avancer à, cette, à ce tour-là, donc je ne vais pas utiliser, je ne vais pas gâcher de munitions. Le rampant-là, je ne peux pas, le faire, je peux pas le faire les 4, hein, parce que même si je divise, il faut que tout rentre sur une même case. Et ici, le rôdeur, je ne peux pas non plus. Le rôdeur, lui, par contre, il va avancer, il me fera un décal. Par contre, sur la super abomination, là, je vais me faire plaisir. Euh, donc c'est 4, je vais faire comme ça. 1, 2, 3. Et euh, je vais faire ici. Hop. Sur l'étoile. En me disant bien que... Bah, il ne fera plus beaucoup de dégâts pour l'instant. Et en plus je sais que euh, j'ai mon fusil de pression qui n'est pas encore trop sorti. Hein. Quoique. Après j'ai plein de balles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça ne devrait pas trop mal se passer. Ok, donc le rôdeur attaque. Il me fait une étoile, il me fait un dégât. Le boss attaque. Le boss, il me fait perdre deux points d'armure. J'en ai plus. Et il attaque avec ses, ses étoiles jaunes. Il y en a plus. Il n'y a que celle-là. Et celle-là, ça me fait deux dégâts. Ok, allez, encore quatre tours. Ah là, je peux utiliser un ami. Euh. Et le rouge. Le rouge, c'est ma tronçonneuse. J'ai encore l'hécatombe. Que je ne vais pas pouvoir utiliser. Ici, qu'est-ce que c'est L'explosif. L'explosif, ça, le ça permet de le faire un peu partout. Skyler, je ne peux pas l'utiliser sur le boss. Je n'ai pas la forme. Ah si, je pourrais le faire là. C'est pas fou. Et Ethan, je peux le faire. Parce qu'en plus, ça me permet de diviser. Je vais utiliser étane. Donc je peux diviser la forme là. Donc J'utilise déjà la partie comme ça. J'ai fait ça. Et donc il me reste deux petits V, deux petits points. Deux petits points. Je vais les mettre là. Comme ça. Un. Et deux. Pas mal. Hop Ethan, on l'utilisera plus. Hop. Je décale. Je décale un petit peu le boss histoire qu'on voit bien parce que j'avais pas vu qu'il y avait le reflet de la lumière dessus. Donc, la je l'ai utilisé. Moi, j'utilise ma tronçonneuse. On se rappelle encore que je peux le diviser et que je peux le faire chez tout le monde. Euh, là, je peux plus le faire ici. Donc, on va quand même le faire sur le rampant hein, qui lui va petit à petit avancer. Hop, donc comme ça, je récupère la munition et j'en fais une ici. Ah, j'arrête pas d'effacer avec ma main là. Hop. Donc, je récupère une munition. Et je peux faire la tronçonneuse sur la super abomination. Euh, je vais faire 3 ici. Comme ça, je récupère euh, une armure. Et j'en remets un juste là. Et techniquement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 munitions. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 trucs, 10 cases. Ok. Bon, 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 bon. On devrait être bien. Euh, là, qu'est-ce qui va avancer Le rôdeur. Le rôdeur, il avance il me fait un point de dégâts. Qui va faire ici, hop, dans mon armure. Donc là, pareil. Phase de boss. Il me fait son attaque, mais j'ai déjà plus d'armure. Et maintenant, à partir de la phase 2, il me fait des points de dégâts pour les étoiles bleues. Donc il a deux points en plus. Il me fait trois dégâts. Et moi, il me reste 3-7 points de vie. OK. Je pense que j'ai gagné. On va pas trop fanfaronner, mais je, je suis pas mal. Le Mosberg. Le Mosberg, je peux du coup en plus le diviser, donc faire 3, 3, 3 attaques. Euh, hop, donc je vais en faire deux là. Enfin, j'ai gagné, j'ai gagné, je suis pas sûr en fait. Hein. Deux de là et euh, un ici. Voilà. Et je vais voir mes munitions. J'ai dit que j'en avais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bah oui, je vais claquer toutes mes munitions. Donc, déjà trois munitions pour faire 1, 2 et 3. Une autre munition pour faire l'angle là. Et les trois derniers là avec mes trois dernières munitions. Hop. Et j'ai tué la super abomination. Peu importe s'il reste d'autres zombies, j'ai gagné. On se casse vite fait avec mes potes Roger et Skyler qui n'ont pas fait grand-chose quand même. Hein, Roger et Skyler. Euh, D'ailleurs, hop, là j'avais... Ouais j'aurais pu utiliser au dernier tour un de mes personnages mais voilà la dernière carte que je n'ai pas tirée justement c'était la carte avec un de mes amis donc je j'aurais pas pu utiliser tous mes amis sur ce manche. Bon la super ce c'est pas l'ennemi le, le plus dur, c'est d'ailleurs celui qui est conseillé pour débuter. Ceci dit j'avais perdu à euh, ma première partie en facile, mais c'est parce que euh, je connaissais pas trop encore le mécanisme. Donc c'est pas le plus dur. Pour l'instant j'ai pas testé tous les boss, hein, je les tire toujours aléatoirement. J'en ai testé 3 sur les euh, 8, je crois qu'il y a. Il y en a combien Il y en a 3, 4, 5, 6, il y en a 6. Euh, J'ai testé que la mutation et Dead Sox. J'ai pas encore eu de Pyramide de zombies, ni Hurler, ni le Zombie Fan. Mais euh, ils m'ont l'air franchement tous sympas. Ils ont des petits mécanismes et des petits pouvoirs un peu spéciaux. Un jeu que j'aime beaucoup, mais là je vous spoil, on va en parler tout de suite en conclusion. Et voilà, première victoire en mode normal. Je suis bien content, c'était pas gagné d'avance tout de même. Hein, J'avais un petit peu les miquettes. Je pense que vous en êtes bien rendu compte. Pendant la vidéo, c'est un jeu que j'aime beaucoup, c'est un jeu que je trouve très malin, j'en ai déjà parlé sur la chaîne dans euh, mes revues des jeux des 15 derniers jours. Déjà, c'est un mode de jeu original. Alors, Serge était tout seul, mais un Flip and White coopératif, c'est du jamais vu. Ça reprend une mécanique assez simple. Je ne parle pas de la mécanique du Flip and White, mais la mécanique de cocher des cases sur euh, le pattern du personnage. Mais finalement... C'est assez nouveau quand même, j'ai pas d'autre flip and white en tête qui me, qui me fait cocher des cases dans un ennemi pour les tuer. En plus c'est assez malin, on a ces différentes armes qu'on va pouvoir améliorer au fur et à mesure de la partie pour avoir des patterns un peu différents, pour avoir des petits bonus comme repousser les ennemis, comme diviser notre, notre, notre cible en deux. Il y a plein de boss qui sont tous assez différents les uns les autres, je crois qu'il y en a 8 ou 10, il y en a 6, pardon, bon il y en a un peu moins que ce que je pensais, mais ils sont tous vraiment très différents avec leurs petites particularités, ils ont tous une bonne petite tranche bien dégoûtante. Vous avez pu voir la artistique est assez folle, rien que sur la boîte là, ça se voit, c'est super beau. On a aussi euh, combien de personnages différents On a six euh, personnages différents eux aussi chacun avec leur particularité, on peut jouer en solo avec du coup trois personnages qui vont nous aider tirer aléatoirement Et donc qui rajoutent chaque partie va être du coup être un petit peu différente même si c'est le même perso qu'on va utiliser, on n'aura pas les mêmes alliés donc ce sera pas la même partie donc on a quand même pas mal de contenu, pas mal de variétés. on a quatre modes de difficulté. J'ose pas imaginer ce que c'est le niveau extrême, je pense que ça va être un petit peu costaud quand même parce que là c'est pas si simple que ça quand même, il hein, faut se l'avouer. Et je pense que c'est un jeu qui se prête super bien aux extensions, il y a assez peu d'extensions sur les Flip and Write. Et tant mieux parce que les extensions, ce n'est pas toujours forcément quelque chose de bien, mais là ça colle quand même plutôt bien et je pense qu'on pourrait se laisser tenter assez facilement par un ou deux petits personnages supplémentaires, un ou deux boss supplémentaires. Après il faut voir le prix, mais comme c'est un flip and right, c'est quand même assez peu cher. Voilà un jeu que j'aime beaucoup. Peut-être mon flip and write du début d'année, en même temps je pense que c'est le seul euh, flip and write, je regarde parce qu'ils sont tous là que j'ai pu faire depuis 2022, depuis 2023, pardon, qui est sorti en 2023, donc je pense que c'est assez simple, mais je pense que d'ici la fin de l'année, il sera quand même toujours assez haut dans le top des flips et des roll and write. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao